Alors, si comme moi, vous avez des difficultés, je vous conseille de vous rapprocher de Social MeToo. Je vais vous raconter mon expérience. Je me suis mis sur le réseau social LinkedIn pour une seule et unique raison, pour travailler. Je voulais travailler, je voulais créer mon réseau, mais uniquement pour travailler. Je pense que la COVID a fait que de plus en plus de gens nous recherchent sur les réseaux sociaux. Le travail fait qu'aujourd'hui, on est à la maison, on est de plus en plus axé sur les réseaux sociaux. Du coup, des gens peuvent venir nous voir, vous demander une connexion, et cette connexion, on s'y attend absolument pas, on la voit pas venir. Des hommes principalement vont venir nous parler en nous expliquant à quel point ils sont malheureux. Ils ont des situations parfaites qui vont faire que on va se sentir coupable et on va avoir envie de les aider. Puis, je vais vous donner un exemple concret que j'ai eu la semaine dernière. Je suis toute jeune et pourtant, j'ai eu trois messieurs qui travaillaient bien évidemment pour l'armée américaine, qui m'ont expliqué qu'ils étaient en Afghanistan, qui m'ont expliqué qu'ils allaient bientôt rentrer, que la situation était très dure pour eux parce qu'ils étaient loin de tous, loin de tout le monde. Ils avaient perdu leur épouse et ils avaient en plus une petite fille de l'âge de 10 ans. Bien évidemment, après la guerre, ils n'avaient pas du tout l'intention de rentrer aux États-Unis puisqu'ils allaient prendre leur retraite. Typique. Et là, au bout de 5 minutes de conversation, ce sont mes meilleurs amis, comme si je les avais connus toute ma vie, et ils me donnent des conseils au quotidien de ce que je dois faire ou pas faire. Et oui, c'est comme ça qu'au début, j'ai commencé à me faire avoir. Et aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que, un, ce n'est pas de ma faute. Deux, ils essayent. Trois, il faut nous défendre. Nous avons tous le droit d'être sur les réseaux sociaux sans qu'on abuse de nous, sans qu'on nous dérange et qu'on nous permette de faire notre travail. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne vous laissez pas faire. Faites comme moi. Rejoignez Social MeToo. Vous avez les accès. Je vous ai tout envoyé via LinkedIn. Je vous ai tout envoyé via Facebook. Si vous le souhaitez, je vous renvoie tout. Mais ne vous laissez pas faire. Il faut en parler. Dans la vie de tous les jours, on en a parlé. Aujourd'hui, il est temps de parler des réseaux sociaux et des comportements absolument anormaux pour nous, les femmes. Merci à tous. Nice.